parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, c'est Stéphanie. Je suis très heureuse de vous retrouver ici sur YouTube pour parler tricot. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver un petit peu plus tôt que prévu. J'ai terminé ma petite marinière. J'avais trop envie de venir vous en parler en détail ici sur YouTube. Et puis, j'ai envie également dans cette vidéo de vous présenter un petit peu l'avancée de mes encours. Et puis, je vais vous parler aussi de mes petits projets que j'ai prévus pour le printemps et pour l'été. Je me suis fait ma petite liste, que ce soit en tricot, en couture ou même en crochet. Donc, j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça. Je commence cette vidéo par vous remercier infiniment pour vos gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous lire. Et je remercie tout particulièrement 6 personnes qui m'ont gentiment offert un café symbolique sur la plateforme Ko-fi. Je remercie donc Caroline, Sandra, Martine, Josiane, Yolande et Liève. Merci beaucoup à toutes les 6. Et puis la dernière fois, j'ai oublié de vous le montrer. Mais j'ai fait un petit achat avec vos cafés symboliques justement, donc je vais vous le montrer ici. Alors le but c'est d'acheter de la laine soit chez une teinturière ou dans une petite mercerie. Sinon je peux aussi acheter un patron, ça peut être aussi un patron pour soutenir un créateur ou une créatrice de patron. Mais cette fois-ci j'ai craqué pour de la laine à chaussettes. Donc, avec vos cafés symboliques sur la plateforme Ko-fi, chez Madeleine et Philibert, c'est la première fois que je commande sur leur site et j'ai craqué pour ce magnifique écheveau de laine à chaussettes auto-rayante. Vous voyez, des jolies couleurs. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc, auto-rayante. Alors, je ne sais pas le nom du coloris. Je ne sais pas. Lavable en machine, mérino nylon, auto-rayante. Et c'était un kit, en fait, il y a aussi un mini contrastant. Donc, on retrouve les couleurs de l'écheveau. Voilà, pour la pointe, la cheville et le talon de la chaussette. Donc, voilà, là, il y a un numéro de coloris, enfin, il y a un nom de coloris que je vous montre. Donc voilà, chez Madeleine et Philibert, un joli petit écheveau de laine à chaussettes que j'ai hâte de tricoter. Alors, on va commencer cette vidéo par vous présenter ce que je porte. Ma petite marinière Gustave que je viens juste de terminer. Je l'ai terminée il y a 2 jours, donc elle est bloquée. Voilà, mon petit pull Gustave de Aurélie Lapoule est terminé et bloqué. Donc, j'ai pas mis très longtemps pour le tricoter. Donc, en fait, je tricote essentiellement les soirs et les week-ends. Enfin, les week-ends, je travaille les samedis. Donc, je tricote surtout le dimanche après-midi et soir. Et puis, en semaine, je tricote principalement le soir. En tout cas, pour cette petite marinière qui se tricote assez vite puisqu'en aiguille 4,5, j'ai mis 12 soirées, 12 jours en fait, voilà, pour la tricoter. Donc, ça va hyper vite. Alors, ça, c'est ma 3e version du pull Gustave. Normalement, c'est un pull qui n'a pas de rayures, donc qui est uni. Mais moi, j'ai tout simplement ajouté des rayures. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez faire la même chose que moi, c'est hyper simple. Donc, Gustave, c'est un patron disponible en français et en anglais sur le site de Aurélie Lapoule. Donc, je vous mets le lien dans la description. Hein. Vous retrouvez tous les liens de ce dont je vous parle dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus et hop, vous arrivez directement sur le patron. Donc, il est disponible sur le site de Aurélie Lapoule au prix de 5 €, il me semble. Et il est également disponible sur Ravelry. Moi, ça, c'est ma 3e version. Et c'est vraiment un patron très facile à tricoter. Vraiment, c'est d'une simplicité. Je dirais que si vous débutez, lancez-vous parce qu'il n'y a rien de compliqué. N'ayez pas peur de la petite patte de boutonnage. Ce modèle n'a pas de rang raccourci. En fait, on vient former le col en ajoutant des mailles au fur et à mesure des rangs.
en ajoutant simplement des mailles, donc il n'y a rien de compliqué. La petite patte de boutonnage, bah, je vous dis, il ne faut vraiment pas avoir peur parce qu'en fait, c'est des mailles qu'on vient relever autour de l'encolure et puis ici, autour de la, au niveau de la patte de boutonnage. Et puis ensuite, on vient fixer les deux pattes de boutonnage avec un petit point ici. Donc vraiment, ce n'est pas difficile du tout. Je dirais que c'est un modèle adapté pour les débutants. C'est des manches raglan. Donc, des petites augmentations. Et vous voyez, le raglan, c'est en fait une, des mailles glissées. Ce qui fait un joli petit raglan. Donc, ce pull n'est pas difficile. Il se tricote en rond, donc sans couture, avec des aiguilles circulaires, du haut vers le bas. Donc, on va venir commencer par former le col. Et puis, au début, on tricote en aller-retour, comme si c'était un gilet, en fait. Puisqu'on va venir créer cette petite patte de boutonnage ici. Et ensuite, une fois qu'on a terminé la petite patte de boutonnage, on joint en rond et on vient tricoter le corps tout en rond. Pareil pour les manches. Et puis, on termine avec des petites côtes, avec un rabat classique. Pareil pour le bas du corps. Il y a des côtes 1-1 et puis un petit rabat classique. Alors, normalement, ce pull est uni. Donc, si vous voulez, les rayures ne sont pas expliquées dans le patron. Mais, je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est vraiment hyper facile. Après, je vous parlerai de la laine en détail avec la référence des coloris, le nombre de pelotes que j'ai utilisées, etc. Donc, en fait, il se construit du haut vers le bas. Et moi, je voulais une petite marinière avec les rayures qui commencent au milieu à peu près de la patte de boutonnage. Je ne voulais pas commencer mes rayures depuis le haut du pull. Je voulais quand même un petit peu de blanc, enfin écru, au-dessus. Et puis, un petit peu comme le pull, vous savez, Cézanne dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est un petit peu l'inspiration que j'ai pris. Je vous remets une petite photo juste ici du pull que j'ai vu sur le site de Cézanne. Donc, je vous mets la photo ici et vous allez comprendre qu'en fait, je voulais vraiment les mêmes rayures, c'est-à-dire qui commencent à peu près au milieu de la patte de boutonnage et ensuite à peu près la même fréquence de rayures. Alors, au niveau de la fréquence des rayures, j'ai fait donc des rayures bleu marine de 2 rangs tous les 10 rangs. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait 2 rangs de rayures bleues et ensuite 10 rangs de écru. Voilà, c'est pas du blanc, oui, c'est de l'écru. Pareil pour les manches. Voilà, donc 2 rangs et 10 rangs. Pas compliqué. Alors, pour éviter la démarcation des rayures, vous savez, quand on tricote en rond, des rayures, qu'on change de couleur, on va avoir comme une petite échelle, un décalage. Et pour éviter cela, je vous ai mis un petit tuto dans mon épisode au sujet du pull Arros de Petite Knit, qui était un pull aussi avec des rayures, avec plein de couleurs. Et je vous ai mis un petit tuto, donc je vous invite à revoir ce petit tuto dans ma vidéo sur le pull Arros. C'est à peu près autour de la 20e minute, voilà, dans la vidéo. Donc, il n'y a rien de compliqué. En fait, il y a une petite manip à faire pour éviter la petite démarcation, en fait, le petit décalage que vous allez avoir. Et du coup, ça ne se voit pas du tout. C'est complètement invisible. Voilà. On ne voit rien du tout. Pareil au niveau des manches. Donc, c'est un pull très, très doux que j'ai tricoté en laine drops. Alors, je vais vous montrer les pelotes que j'ai utilisées. Ce pull n'est pas du tout gourmand en laine. Je ne vous ai pas dit, j'ai fait la taille 1. Alors, Gustave, il faut savoir que c'est un pull qui se tricote avec beaucoup d'aisance. Et dans le patron, Aurélie, donc la créatrice du patron, préconisait pour ma part, pour mon tour de poitrine, la taille 2. Sauf que moi, je ne voulais pas autant d'aisance qu'elle préconisait. Donc, je me suis dit, je vais faire une taille en dessous. Donc, j'ai fait la taille 1. Et vous voyez qu'au niveau de l'aisance, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà beaucoup d'aisance.
rien qu'en faisant la taille 1. Donc si vous êtes comme moi, que vous ne voulez pas autant d'aisance que indiqué dans le patron, eh bien n'hésitez pas à faire une taille en dessous de votre taille qui est préconisée dans le patron. Au niveau des aiguilles, j'ai utilisé les aiguilles qui sont préconisées, c'est-à-dire les aiguilles 4,5 pour le corps, et sinon pour les côtes, c'est des aiguilles 3,5. Alors, la laine, donc c'est un patron, un modèle qui n'est pas du tout gourmand en laine. Parce que j'ai utilisé seulement 3 pelotes complètes de Flora. En écru, c'est le coloris 01, voilà, que j'avais commandé chez Calidou. Ainsi que 3 pelotes complètes de Kit Silk, donc les deux fils tenus ensemble. 01, coloris 01, c'est pareil, c'est coloris naturel, je crois qu'ils appellent ça naturel. Donc 3 pelotes, vous voyez qu'il n'est pas du tout gourmand en laine. Et pour les rayures bleues, je suis allée dans mon stock, donc utilisez vos restes pour les rayures. Vous pouvez faire des rayures de n'importe quelle couleur, vraiment faites-vous plaisir. Et utilisez vos restes parce que vraiment ça n'utilise pas beaucoup de laine. Pour vous dire, j'ai utilisé moins d'une pelote, ou je dirais même moins d'une demi-pelote de bleu marine. Donc c'est du, en fait c'est même pas de la Flora, c'est de la alpaca. Coloris pétrole, 72-40 pour la référence. C'est une pelote qui me restait de mon stock. Donc vraiment pour ce modèle, si vous voulez faire des rayures, n'hésitez pas à aller voir dans votre stock. Il n'est pas gourmand en laine, donc si vous faites la même fréquence de rayures que moi, moins d'une pelote. C'est vraiment, vous pouvez utiliser un petit reste, c'est parfait. Donc vous voyez ce petit bleu pétrole qui est un coloris mix. Vous voyez, il y a un petit peu de turquoise, du jaune et du bleu. C'est un coloris très mélangé, super joli. Donc, référence 72-40, auquel j'ai associé de la Kit Silk en bleu marine. Alors, je n'ai pas le numéro, je vous le noterai dans la description. Voilà, ce n'est pas du tout la même nuance, mais les deux mélangés, ça me fait une très jolie couleur bleu marine. C'est vraiment la couleur que je recherchais. Parce qu'à la base, j'avais commandé ce bleu-là. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Et vous voyez, c'est vraiment la même couleur avec la Kit Silk. Hop, c'est exactement la même couleur. Et en fait, ça me faisait un bleu qui était beaucoup trop clair. Et ça, c'était pas du tout ce que je recherchais. Je voulais vraiment le vrai bleu marine. Donc du coup, celui-ci, c'est pas grave. C'est un joli bleu quand même que je vais utiliser dans un autre projet, c'est pas bien grave, mais en tout cas j'ai utilisé ces deux laines là. Du coup la alpaca, elle est un petit peu plus épaisse que la Flora, mais c'est pas très grave, vous voyez, ça se voit pas en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Elle n'est pas beaucoup plus épaisse, mais en tout cas dans les rayures, ça se voit pas du tout. Donc voilà ces deux couleurs là, donc moins d'une pelote aussi pour la alpaca, pour la Kit Silk, moins d'une pelote, moins d'une pelote. Donc vraiment, pour les rayures, si vous faites la même fréquence de rayures que moi, n'hésitez pas à regarder dans vos petits restes. Voilà, comme ça, vous commandez uniquement le écru. Donc 3 pelotes en Flora et 3 pelotes en Kit Silk. Vraiment, le Gustave, c'est vraiment un patron qui n'est pas du tout gourmand en laine. Alors, une chose très importante, ma petite astuce marinière. On m'a posé la question sur Instagram et c'est une très très bonne question. Est-ce que tu as des problèmes de transfert de couleur? Vous savez, le bleu qui déteint sur le écru. Alors ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre soin de vérifier avant de se lancer dans votre pull. Je m'explique. En fait, quand j'ai fait mon échantillon, vous savez, j'ai fait mon échantillon avec les rayures. Donc, j'ai fait l'écru, vraiment comme si c'était le pull, en fait.
Et j'ai lavé mon échantillon avec de la lessive à laine, hein, comme, vraiment comme si c'était le pull, pour vérifier qu'il n'y ait pas de transfert de couleur, donc que le bleu ne déteigne pas sur le écru. Donc ça, c'est quelque chose de très important que vous devez absolument vérifier avant de vous lancer dans votre pull. Donc vous faites votre échantillon, comme d'habitude, avec les rayures. Comme ça, quand vous allez le laver, votre échantillon, vous allez pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la rayure foncée qui va venir déteindre sur le écru. Alors là, pour cette laine-là, je n'ai eu aucun problème. Le bleu n'a pas du tout déteint. Mais ça, c'est quand même quelque chose de très important à vérifier avant de se lancer. Parce que bon, imaginez-vous, vous prenez une laine qui déteint et là vous avez des grosses traces après sur votre pull, c'est quand même embêtant. Donc pensez à vraiment vérifier ce critère-là qui est très important. Voilà, que vous dire d'autre? Les petits boutons, c'est mon seul petit regret que j'ai parce que vous voyez, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Alors c'était des boutons que j'avais achetés chez Mondial Tissu. Ils sont écrus, donc comme la laine, avec du doré autour. Et je voulais vraiment apporter dans les boutons une petite touche de doré. Donc c'était les boutons parfaits. Sauf qu'ils sont un petit peu petits, ce qui fait que si je veux porter mon pull Gustave comme ça fermé, bah, les boutons ne vont pas tenir. Voilà, les boutons ne tiennent pas, ils sont trop petits en fait. Donc peut-être qu'il faudra que je les change. J'aimerais trouver dans l'idéal des boutons qui sont bah, exactement les mêmes, avec une petite touche de doré, mais un petit peu plus gros. Alors là, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai triché un petit peu. J'ai cousu jusqu'ici ma petite patte de boutonnage pour pas que ça s'ouvre. Parce que j'avais tout le temps les boutons qui, vous voyez, là, ils ne tiennent pas très bien. Donc. C'est le seul petit problème que j'ai, c'est les boutons qui sont trop petits. Mais c'est pas grave, je les changerai à l'occasion. Alors, autre petite précision que j'aime beaucoup sur ce modèle, on m'a demandé, en fait, on m'a posé une question sur Instagram qui était intéressante parce qu'on m'en parle souvent. Vous savez, il y a un autre pull, un autre modèle de Atelier Émilie qui s'appelle le pull Nacre. Et qui est très souvent comparé au pull Gustave. Et on me demande souvent en message, tiens, bah, est-ce que tu peux me dire la différence entre le pull Nacre et le pull Gustave? Alors, ils sont complètement différents. Donc, le pull Nacre, c'est un modèle de Atelier Émilie, et le pull Gustave, c'est un modèle de Aurélie Lapoule. Et on les compare souvent parce qu'ils ont tous les deux un col comme ça qui s'ouvre avec une petite patte de boutonnage qui s'arrête ici. C'est la seule chose qui est un petit peu semblable dans ces deux patrons. Alors moi j'ai choisi Gustave parce qu'en fait ce que j'aime beaucoup avec ce pull, c'est que voilà, vous pouvez porter votre col comme ça, ouvert, et quand vous allez bouger, eh bien votre col reste en place. Et ça, je trouve que c'est super, ça ne bouge pas. Or, le patron nacre, qui est très joli aussi, a un col qui est un petit peu plus haut. Et si vous voulez le porter ouvert, eh bien, les deux pans vont se placer comme ça. Alors, ça peut être très joli aussi, ça peut rappeler un petit peu un col polo. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je voulais un col qui reste en place comme ça. Donc, voilà la comparaison un petit peu importante pour moi. La raison pour laquelle je me suis tournée plutôt vers le pull Gustave, eh bien c'est le col qui ne bouge pas. Vous n'avez pas vos pans qui vont faire ça si vous voulez le porter ouvert. Voilà. Donc ça c'est un critère un petit peu important pour moi. D'autre part, ces deux modèles sont complètement différents par leur construction. Là vous avez des manches raglan. Et sur le joli modèle de Émilie, donc le pull nacre, vous avez une épaule qui est très travaillée. Il me semble que c'est une épaule marteau avec du jersey ici, une petite bande de jersey, et ça va vous faire une jolie épaule tressaillante, plutôt travaillée. En fait, il est simple dans toute sa construction et dans son style, en fait. Le pull Gustave, c'est la simplicité. Alors que le pull nacre, vous avez autre chose. Vous avez quelque chose de plus travaillé,
peut-être une épaule un peu plus saillante. Voilà. Voilà un petit peu les différences qu'on m'a demandé de dire dans ma vidéo au sujet de ces deux très jolis modèles. Alors, on va passer maintenant à la partie en cours. Alors, je vais vous en parler très rapidement parce que j'ai tourné ma vidéo il n'y a pas très longtemps. Je suis en train de tricoter, d'avancer mon châle. Je tricote en ce moment le châle Cowboys and Angels de Isabelle Kramer, un très joli modèle, assez reposant parce qu'il y a une grande bande de points mousse. Donc, c'est un châle de forme triangulaire. Vous voyez? Là, je ne peux pas trop vous le montrer parce qu'il commence à y avoir pas mal de mailles sur mon petit câble. Donc, c'est un petit peu tout rassemblé, mais il a une forme triangulaire. Et je viens juste de terminer la partie point mousse. Donc, il y a une très grande partie point mousse. Vous voyez qu'au début, on commence par une partie de dentelle. C'est un point de treillage. Après, on a des petites nappes. On voit là un petit peu, elles sont très discrètes, c'est des toutes petites nopes. Après, donc, on a un point du point mousse, donc c'est tout le temps à l'endroit. Voilà. Et puis là, je vais commencer une nouvelle section de treillage, de point de treillage. Mais je vous mets une photo ici du modèle terminé. Donc, c'est un patron de Isabelle Kramer. Moi, j'aime beaucoup les patrons d'Isabelle Kramer. Ils sont très simples, elle a de très jolis modèles. Il est disponible en français. Alors, il n'est pas difficile, mais je trouve que le point de treillage demande un petit peu de concentration. Vous voyez, c'est un superbe point. Très, très joli. Mais il y a tout un jeu de mailles croisées, d'augmentation. Ça demande un petit peu de concentration, mais ça se fait très, très bien. Il se tricote en aiguille 4,5, donc ça va assez vite, en déca. Alors moi, j'ai choisi de le tricoter dans un fil tweedé. Un très très joli fil tweedé que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo. C'est le fil The Twist and Shoot Yarn de We Yarn Knitters. Vous voyez, un très très joli fil tweedé. C'est le coloris aquamarine. Donc, il se présente sous forme d'écheveau. Donc, voilà pour ce petit encours qui avance plutôt bien, puisque là, j'ai terminé la partie point mousse et puis je vais continuer le petit point de treillage. Là, juste après, on a le point de treillage et puis après, on a une bordure en côte. Donc, il a quand même pas mal avancé. Bon, c'est vrai que je ne peux pas trop vous le montrer parce que j'ai un petit câble. Donc ça, c'est mon encours du moment. Donc je tricote uniquement celui-ci. Je n'ai pas commencé de nouveau pull. Là, ça fait 2 jours que j'ai fini la marinière. Et pour l'instant, j'ai décidé de ne pas commencer de nouveau pull, mais avant de tricoter, de terminer mon châle. Voilà, je suis mono en cours. C'est-à-dire que je tricote un projet à la fois, même si là j'avais commencé quand même 3 encours, mais j'avais laissé le châle de côté pour tricoter à fond ma marinière. Et maintenant que la marinière est finie, je tricote à fond le châle. Je le termine avant de commencer autre chose. Voilà mon encours principal. J'ai tricoté un tout petit peu mes chaussettes. Je vais vous montrer, mais ce n'est pas une très grande avancée. En tout cas, j'ai retrouvé l'étiquette de la pelote, comme ça je vais pouvoir vous montrer. C'est une laine qui vous a bien intéressé hein, dans ma dernière vidéo. C'est vrai qu'elle est super jolie. Voilà, c'est cette laine-là, avec plein de couleurs, plein de jolies couleurs. Et voilà ce que ça donne tricotée. C'est super joli, vous voyez, j'ai avancé un tout petit peu ma chaussette, hein, mais pas beaucoup par rapport à la dernière vidéo. Et j'ai retrouvé l'étiquette, donc c'est cette laine-là. Voilà. Super bas, cachemerie, luxury socks de chez Rico Design. Comme ça, je vais pouvoir vous donner la référence du coloris. Alors, 23,98. Référence 23,98. Voilà. 400 mètres pour 100 grammes. Elle contient donc de la laine, donc 65% laine. 25% polyamide et 10% de cachemire. Très douce cette laine. Une très belle qualité.
Je vous dirai comment elle vieillit, mais en tout cas, c'est une belle découverte, hein. J'aime beaucoup les couleurs. Elle est super jolie. Donc ça avance tout doucement, puisque je suis plutôt en train de tricoter le châle en ce moment. Mais voilà, je la tricote de temps en temps. C'est un peu un tricot zéro cerveau. Alors on m'a demandé, moi j'utilise des aiguilles de 2,5 pour mes chaussettes, toujours. J'utilise des aiguilles de 2,5. Et ça, c'est mes aiguilles Knit Pro. C'est les aiguilles Knit Pro en fixe de 2,5. Et c'est un câble de 80 cm puisque moi, j'utilise la technique du Magic Loop pour mes chaussettes. C'est ma technique préférée. Donc, c'est un câble de 80 cm et c'est la marque Knit Pro en 2,5. Et moi, pour mes chaussettes, je monte 56 mailles. Voilà pour ma pointure 35. Voilà pour mes petites chaussettes. Mes petites chaussettes en cours qui avancent doucement, mais sûrement. Je vous les montrerai terminées hein, dans le prochain épisode. Donc ça, c'était mes en cours. Je vous dis, je suis à fond dans le tricot du châle et j'ai rien commencé d'autre par rapport à la dernière vidéo. Mais maintenant, je vais vous parler de mes petits projets pour le printemps et pour l'été. Alors, parlons maintenant de couleurs printanières et de mes petits projets printemps-été. J'ai fait ma petite liste. Donc, pour le printemps, déjà, on va commencer par ça. Alors ça, la marinière Gustave, je la considère comme projet printanier, hein, donc on va dire que c'est mon premier projet du printemps. J'avais trop envie de me tricoter une marinière, donc voilà, c'est chose faite. Mais en tout cas, ça fait partie de mes tricots de printemps. Alors, je continue avec des couleurs printanières. J'ai prévu de tricoter ce magnifique vert céladon. Donc, c'est des écheveaux que j'avais achetés sur le festival Laine à l'Est, sur le stand de Eline et Laine. Eline et Laine. Qui avait un stand magnifique avec des couleurs oh, vraiment superbes et j'ai été attirée par cette qualité-là qui est la base plume composée de bébé alpaga, coton et mérino. Donc on est sur une épaisseur fingering. Elle m'a dit que je pouvais tricoter ces écheveaux-là comme une épaisseur déca. En fait, pour vous donner une idée, ça fait un petit peu comme la brushed alpaca silk, mais en plus épais. Vous savez, la brushed alpaca silk de Drops, mais en plus épais au niveau du fil. Donc, j'ai prévu de tricoter une deuxième version, plus printanière, du pull Ranunculus de Midori Heroes, qui est un joli pull qui se tricote en aiguille 6 hein, de mémoire. Avec de la dentelle, un joli empiècement en dentelle. Et quand j'ai vu ces écheveaux, j'ai tout de suite pensé au pull Ranunculus. Donc j'ai prévu de m'en faire un pour le printemps. La première version était plutôt automnale, puisque je l'avais tricotée en coloris rouille, en or et kid silk de Drops coloris rouille. Et là, cette fois, j'ai envie de me faire un petit pull tout léger. Avec tricoté en fil simple, donc avec un seul brin de ces écheveaux-là. Donc ça, c'est un projet que je vais commencer juste après mon châle. Une fois que j'aurai terminé mon châle, je vais très vite monter sur mes aiguilles. J'ai pas encore fait mon échantillon, mais je pense que ça ira pour ce modèle-là. C'est vrai que ça, c'est un modèle qu'on peut tricoter avec n'importe quel fil. C'est un pull hyper, hyper facile et très rapide et qui est peu gourmand en laine. Donc avec deux écheveaux, ça devrait aller. Donc pour le printemps, j'ai prévu quatre tricots. Alors est-ce que je vais tous les faire? Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais si, dans tous les cas, si jamais j'ai pas le temps de faire tout ce qu'il y a sur ma liste, c'est pas grave. Ça sera pour le printemps prochain. Donc j'ai prévu donc la marinière qui est faite. Le pull Ranunculus, tout léger, un châle et un gilet. Alors pour le châle, j'ai prévu de faire
le châle Urban Folk de Atelier Émilie. Je vous mets une petite photo juste ici du modèle. C'est un châle qui associe à la fois du tricot et du crochet puisqu'il a des jolis carrés grand-mère en bas du châle. J'avais acheté le patron dès sa sortie et j'ai trop hâte de le commencer. Donc j'ai prévu de le faire plutôt dans les tons blancs. Donc voilà, ça c'était mes tricots printaniers. Mes quatre tricots printaniers. Je ne suis pas sûre de tous les faire, mais on verra ça. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Je ne me mets pas de pression. C'est en fait, c'est plutôt mes envies. Là, je vous parle plutôt de mes envies du printemps et de l'été. Maintenant, pour l'été, j'ai pris une décision. J'ai pris une grande décision tricot. En fait, je trouve que je ne tricote... Bon, en fait, dans ma liste tricot, ma liste envie de tricot, il y a bien sûr des pulls et des gilets, mais également énormément d'accessoires en tricot. Sauf que je trouve qu'au fur et à mesure de l'année, eh bien, je tricote beaucoup de pulls et de gilets, mais pas assez d'accessoires. Du moins, tout ce qui est sur ma liste d'envie au niveau des accessoires, bah finalement, je ne les fais pas parce qu'il y a toujours les pulls et les gilets qui prennent le dessus. Donc au final, je me retrouve avec une liste d'envie d'accessoires très grande et au final, je ne les fais jamais. Donc j'ai pris une grande décision au printemps, enfin à la fin du printemps. J'arrête de tricoter des pulls et des gilets. Donc, ce qui fait que là, juste après mon gilet en déca, j'arrête complètement les pulls et les gilets tout l'été. Voilà, je ne vais pas en tricoter de l'été. Donc, ce qui fait que cet été, dans mes vidéos ou sur Instagram, vous ne verrez pas de nouveaux pulls ou de nouveaux gilets. Donc, je vais arrêter de tricoter les pulls et les gilets pendant tout l'été, jusqu'à peu près à la mi-août. Parce que pour moi, à mi-août, je commence mes tricots d'automne. Parce que j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. Et j'ai envie de commencer mes tricots d'automne à partir de la mi-août. Donc vous voyez, je vais quand même reprendre les pulls et les gilets rapidement à partir de la mi-août. Mais dans tous les cas, j'ai prévu, je me suis fait une petite liste, d'accessoires tricot. Alors, il n'y aura pas que du tricot, il y aura aussi du crochet parce que j'ai envie. J'ai des jolis livres là, vous les voyez ici. J'ai des petits livres de crochet. J'ai envie de crocheter des petites poupées comme ça. J'ai prévu des petits accessoires en crochet. Voilà, des châles. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il y a sur ma liste d'été, ce que j'appelle accessoires en tricot. Alors, j'ai envie de me retricoter une nouvelle Honey Bucket Bag. Vous savez, c'est la petite trousse pochon de petite knit que j'ai déjà tricotée deux fois. Mais j'aime tellement ce modèle. Vraiment, c'est un bonheur à tricoter et je le trouve tellement beau. La construction est super intéressante. Et là, mon dernier Honey Bucket qui est juste en face de moi là, est beige et je le trouve un petit peu tristoun et j'ai envie de le retricoter dans une couleur, peut-être du bleu ou du rose, je vais voir. Donc dans tous les cas, j'ai prévu de retricoter un petit sac pochon Honey Bucket de petite knit et de faire également une version trousse, une version Honey Clutch de petite knit. C'est le même point, c'est le point d'alvéole. Et j'adore tricoter ce point. En fait, c'est de la brioche. C'est un point de brioche. C'est pas adapté aux débutants. Mais j'adore ce point, vraiment. Et j'ai pas mal de questions, d'ailleurs, sur ce point. On me demande souvent de faire des vidéos tuto. Alors, c'est vrai que c'est un patron payant. Donc, normalement, je n'ai pas le droit de vous montrer les détails. Donc, voilà déjà les deux pochettes que j'ai prévu de faire. J'ai prévu également de me refaire au moins deux brassières Framework de Jessie Maed. Brassière que je porte tout le temps. J'en ai une là. C'est ma version bleue, bleu turquoise, que je porte tout le temps. Vraiment comme un sous-vêtement en fait. Hein. La petite brassière là, voilà. C'est celle-ci que je vous avais déjà présentée. J'en ai deux. J'en ai une rose, une bleue.
Et bah, je tourne tout le temps en fait, je les lave, je les remets, je fais que ça, mais comme j'en ai que deux, j'en ai pas assez, il faudrait que je m'en retricote encore deux autres. Donc ça fait partie de mes projets d'été. D'autre part, je vais avancer ma couverture Nord Sisterly, vous savez, ma couverture de reste en tricot, ma couverture en chevron. Donc celle-ci, je vais pas mal l'avancer. Je vais également tricoter des petits t-shirts en coton ou enfin avec un fil d'été, hein, voilà, petits t-shirts ou même petits débardeurs. Hein, j'ai repéré déjà plusieurs modèles. Voilà, j'ai également, j'aimerais beaucoup me tricoter ce châle qui est dans ce livre-là, Tricot Duo, que j'avais acheté dès sa sortie. J'aime beaucoup ce livre aussi. Et j'aime beaucoup ce châle-là qui est un châle de tricot NCL, Nadia Crétin-Léchaine. Voilà, NCL Knit. Et c'est ce modèle-là, c'est celui-ci. Voilà, je crois que c'est le châle Brine, celui-ci. J'aime beaucoup parce qu'il a une jolie dentelle, il a une grande partie point mousse. Mais il a une très jolie dentelle et je trouve que bah voilà, c'est un châle un petit peu pour les beaux jours. C'est très très joli. Il a une jolie dentelle très romantique, poétique. J'aime beaucoup ce modèle. Et puis comme j'ai le livre, autant tricoter des modèles qui sont dans ce livre. Pour donc ma petite résolution là de l'été de ne pas tricoter de pulls et gilets et plutôt de me concentrer sur ma liste d'envies d'accessoires, eh bien ça va me permettre de ne pas racheter de laine, donc de ne pas faire de commandes et de tricoter ce que j'ai en stock et de tricoter mes restes. Et d'autre part, dans les accessoires, toujours en tricot, je prévois de tricoter des chaussettes. Des chaussettes, notamment de ce magnifique livre-là de Marie-Christine Lévesque que je vous avais déjà montré. Et je prévois de tricoter celles-ci. C'est des petites soquettes. Les soquettes Vichy. Elles sont trop belles. Je pense que je vais utiliser les mêmes couleurs qu'elles. Oh, j'adore. Vraiment. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y en a d'autres aussi. Que je prévois de tricoter qui ont de la dentelle. Voilà, celle-ci, je crois que c'est les cavalières. J'ai déjà la laine et il me manque juste le temps. Hein. Il me manque le temps, j'ai la laine. Voilà, il y a aussi celle-ci que je vais tricoter, les bergères. J'ai la laine aussi. Voilà, enfin bref, il y a plein plein de modèles que je vais tricoter dans ce joli livre de Marie-Christine Lévesque, donc champêtre. Alors cet été, je ne vais pas que tricoter, je vais aussi faire pas mal de crochets. C'est vrai que je m'aperçois que depuis que j'ai commencé à apprendre le crochet il y a pas très longtemps, eh bien j'aime beaucoup, beaucoup le crochet et j'ai envie d'en faire plus. Je vais surtout terminer ma couverture. Tous mes petits carrés sont prêts à être assemblés. Il m'en manque encore un petit peu, mais vous savez, j'avais commencé. Ils sont tous dans ma petite valisette là. Et donc, je vais terminer ma couverture en crochet. Donc, c'est une couverture en coton. C'est des petits carrés en coton. Et c'est un kit de We Are Knitters. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, je crois, cet été. Et tous mes petits carrés sont là. Et ils sont prêts à être assemblés. Il m'en manque un petit peu. Donc, je vais en refaire. Je pense une petite vingtaine parce que je voulais une couverture qui soit plus grande que le modèle. Donc je vais encore en refaire d'autres. Et puis je vais assembler ma couverture. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes projets. De mes projets donc printemps-été. Donc je suis super contente de reprendre un petit peu cette couverture. Donc ce printemps-été, je prévois également de crocheter des petites poupées toutes mignonnes comme ma petite Léontine que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Alors je débute hein, au crochet, donc c'est pas parfait. Mais en tout cas, quel bonheur à crocheter ces petites poupées. Donc c'est le livre de Lulu Compotine que je vous avais déjà présenté
dans une de mes vidéos. Donc, le patron est dans ce livre. Elle a aussi des patrons sur Etsy, il me semble. Donc, si vous débutez comme moi en crochet, c'est très facile. C'est très, très facile à crocheter. Donc là, je m'apprête à... Alors là, j'ai fait cette petite poupée-là, donc Léontine. Il me manque encore... là, je lui ai fait ses petites sandales. Il me manque à lui faire son petit sac et sa couronne de fleurs. Donc en fait, c'est par... dans ce livre, c'est par saison. Il y a des poupées, deux poupées par saison. Donc ça, c'était la poupée automne. Là, je m'apprête à crocheter Zoé, hop, qui est ici. Zoé, petite poupée d'hiver, et elle est plus petite au niveau taille. Elle est plus petite que Léontine, celle que j'ai crochetée là. Cette fois-ci, j'ai commandé le coton recommandé dans le livre, c'est-à-dire le DMC Natura. Elle recommande dans son livre le coton DMC Natura. Et j'ai commandé comme ça les vraies couleurs, les couleurs qui sont recommandées pour crocheter la poupée. Donc j'ai commandé exactement les mêmes couleurs. Et j'ai trouvé ce coton DMC sur le site de Rascol. Voilà, je vous montrerai ça la prochaine fois quand je l'aurai reçu. Mais en tout cas, j'ai l'intention de crocheter cette petite poupée là très prochainement. Voilà, poupée d'hiver donc. Puis après, je ferai celle du printemps. Alors, celle du printemps, j'ai prévu... Oh non, mais regardez celle de l'été. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Alors, j'ai prévu de faire celle du printemps. Voilà. Celle-ci, Charlotte. Elle est trop belle. Je prévois également de la couture. J'ai reçu la box... Craftine, ça c'est la toute nouvelle box, c'est la box d'hiver. Donc je ne peux pas vous montrer son contenu parce que certaines personnes n'ont pas encore reçu. Donc je pense qu'elles apprécieraient pas trop que je leur montre le contenu. En tout cas, je peux vous dire que la box d'hiver me plaît énormément. Et j'ai déjà coupé mon tissu, il est là. J'ai coupé mon tissu et je vais coudre cette... voilà, je ne vous dis pas ce que c'est une surprise. En tout cas, je vous en reparlerai, mais c'est une très très jolie box. Et donc, au printemps-été, ce printemps-été, je prévois également de la couture. Il y aura certainement une cousette craftine, peut-être une robe. Je prévois quelques petites cousettes également que vous verrez prochainement ici et sur Instagram. Donc voilà pour mes petites réalisations printemps-été, donc couture, tricot, crochet. Oh, j'aimerais beaucoup aussi faire de la broderie, mais honnêtement, est-ce que je vais avoir le temps de tout faire? Ça, je ne sais pas. Donc bon, je ne me mets pas la pression, c'est vraiment ce que je vous ai présenté. Là, c'est vraiment une petite liste d'envies. Mais en tout cas, je maintiens l'idée de ne plus faire de pulls et gilets pendant l'été, de vraiment laisser de côté les pulls et gilets et de tricoter mon stock. Donc, mes restes, mon stock, voilà. C'est un petit peu mon objectif. Après, est-ce que je vais tout faire ce que je vous ai dit? Ça, je ne sais pas. Suivant le temps, c'est vrai qu'on a une très grande liste d'envies. Hein, on est toutes pareilles et on est tous pareils. Et ben, ce qui nous manque, hein, c'est le temps. Hein. C'est le temps. C'est vrai qu'on a une belle passion, mais... on manque de temps. Voilà pour cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis ça me motive à continuer les vidéos ici sur YouTube. On se retrouve également sur Instagram où je suis très présente. C'est le même pseudo, Stéphaline Made. En attendant, on se retrouve très prochainement sur YouTube. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous dis à bientôt. Bye bye !